Vous regardez RTL. Qui a fêté ses noces d'étain vendredi dernier ? Emmanuel Macron et sa femme, son épouse Brigitte. Emmanuel et Brigitte Macron ont fêté leurs 10 ans de mariage. Ah, c'est que ça. Les noces d'étain. C'est 10 ans seulement, les noces d'étain. Oui, c'est après carton, quoi. C'est après la faïence. Ah oui. Mais ça, tout ça, c'est très contestable, cette nomenclature. Ah oui. On ne sait pas très bien d'où elle vient. Oui, oui, qui c'est qui a inventé ça ? Et si demain, on décidait que 18 ans, c'est les noces de velours. Oui, c'est ça. Qui peut... Il y a autorité, Pierre. Le seul noce, c'est d'or et de diamant. Ça fait combien de temps que vous êtes marié avec Michel, vous, 42 ans. 42 ans. 42, c'est quoi ? Ah bah, il y a même plus. Ça passe. Moi, c'est les noces d'émeraude. Ah bah écoutez, ça passe de... Ah, 42 ans, non, les noces de nacre. Ah ouais, c'est ouais. Moins chic. Vous voyez ? Et vous, alors, Philippe Gueluc ? Ben nous, ça va faire, alors, de vie commune, je sais pas si on... Non, mariage, c'est 1980, oui, mariage. Donc... Mariage. 38 ans. 38 ah, ans. 38 ans. Ah bah vous, c'est les noces de Mercure, offrez-lui un thermomètre. C'est vrai, je vous jure. Monsieur Perroni, avec Madame Perroni, ça fait combien d'années ? 97, ça fait combien ? 97 ans ! Je sais pas, j'arrive pas à... 97, ça fait... 97 ? Ouais. Ah bah ça fait pile 20 ans. Alors ouais. Ça fait quoi ? Ah bah 20 ans, avec Madame Perroni, c'est des noces de porcelaine. Ah, de porcelaine. On lui offrir un pot de chambre. Avec un œil dedans. Voilà. Et vous, monsieur Rollin, avec votre compagne ? Alors, avec ma compagne, je ne suis pas marié, donc mon seul mariage, il est en 1989. Je le sens gêné. C'est quand même, c'est gêné, ouais. Tu rougis, dis donc. Ouais. Bah, alors, on va dire avec votre compagne, alors. Alors, 7 ans. 7 ans. Ah bah voilà, les noces de laine, vous voyez, c'est mignon. Ah ouais. Les noces de laine, on doit faire flanelle souvent. Hein. Et vous, monsieur Janssen ? À moins une semaine, c'est noces de latex.